Salut à tous, une vidéo qui va concerner la Slackware Linux. Oui, l'ancestral et honorable ancêtre. C'est peut-être un peu ancestral, ancêtre, c'est un peu doublon. Bref, c'est l'une des plus vieilles distributions GNU Linux encore en vie, parce qu'elle est née en 1992-93 de mémoire. Ça commence à faire un peu vieux, donc elle va sur ses 24-25 ans. J'avais déjà fait un article au mois de mars et je me suis dit autant faire un article avec une vidéo au mois de décembre. En gros, la Slackware sort tous les 2 ans et la dernière version date de... que je dise pas de bêtises. Voilà. Du 1er juillet. Donc en gros, ça fait à peu près 18 mois. Enfin, ça fait 17-18 mois. Donc en gros, on va arrondir à 1 an et demi. On va dire qu'il reste encore à peu près 6 à 7 mois de développement avant que la nouvelle version sorte. Quand même à peu près un cycle de 2 ans, on n'est pas très loin. Donc, comme pour la dernière fois, je suis passé par le site d'Alien Bob qui propose des images ISO live avec des environnements comme Plasma, XFCE ou encore Maté. Là, on voit que les ISO datent du 22 décembre. Je l'ai installé, je l'ai mis à jour. Vous aurez tous les liens dans un article descriptif. Par contre, il y a 2 points que je vais souligner parce que je m'en suis aperçu un peu. Le premier, c'est qu'il y a eu une rétrogradation du noyau. Aux alentours du 6 décembre, comme je l'ai précisé dans l'article. Non, 2 décembre, pour moi, pas le 2, le 6, mais le 2 décembre. Enfin, je corrige, je l'ai mis dans l'article, donc c'est le 2 décembre. Nous revenons au noyau 4.9 jusqu'à ce que nous trouvions pourquoi il y a des problèmes avec le noyau 4.14 qui est un brin instable. Donc l'image live était en 4.14, le noyau en post-installation est à 4.12. Enfin, 4.9, pas 4.12, à 4.9. Donc là, sans corriger. Et une autre modification qui a eu lieu un peu plus tard, je crois au niveau du 6, qui provoque quelques petits bugs, voilà. C'est l'arrivée d'ICU. Là, je fais la recherche. Force. Donc là que je le trouve. Alors, ICU Force, voilà, est arrivé le 6 décembre et ça provoque quelques petits bugs. Vous allez voir lesquels. Donc, je vais vous montrer comment contrôler ce bug en espérant que ça fonctionne. Trêve de bavardage, on est parti pour voir à quoi ressemble la Slackware actuellement. Et on est go. Je vous montrerai aussi comment installer LibreOffice dedans. Il y a un lien vers un post Framasphere que vous trouverez dans le descriptif. Voilà, on est parti. Donc on constate que c'est toujours Lilo qui commence à avoir un petit peu de bouteille. Peut-être que Patrick Wolderking décidera de passer à Grub pour la prochaine version majeure. Peut-être pas, mais ce serait peut-être temps. Je sais bien que la Slackware est conservatrice, mais quand même, il faut savoir de temps en temps bouger un peu. Jusqu'au point d'intérêt systemd, ça je n'irai pas jusque ce plan-là. Donc vous avez un léger bug quand on se connecte à la session maté, outre le fait qu'on a le ciel de Tchernobyl, comme dirait mon collègue youtubeur Pepito, que je salue au passage. Donc la première chose qu'on va faire, vous allez voir, il manque un petit truc. Un truc minuscule, mais il manque un truc. Bon, mis à part le fait, bien sûr, que la police, je ne sais pas pourquoi, est devenue énorme. Donc elle, on va la corriger aussi. Avant toute chose, on va changer tout ça. Je ne sais pas pourquoi, ça trouve aussi un bug, peut-être de la version de développement, peut-être que c'est lié à ICU, je n'en sais rien du tout, mais les polices ont tendance à être un peu énormes. Donc déjà, on va se mettre quelque chose qui arrache moins la rétine. Voilà, ça sera un bien mieux. Alors, les polices de bureau. On va mettre en 8. Voilà. Donc, ce qu'on peut constater, mis à part bien sûr l'absence de la date et de l'heure, c'est que l'ensemble est en français, qu'on a droit à l'accès réseau.
tout ce qui est NAS et compagnie. Donc, pour corriger ce bug, apparemment, donc je vais lancer Internet, enfin Firefox. Après, on verra quelques doublons parce qu'il y a pas mal de doublons. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal d'éléments de XFCE qui sont installés. Par exemple, on a. Je vais passer où Thunar. On a Thunar quelque part par là. Donc, on n'a pas besoin de Thunar et compagnie, étant donné qu'on est sous Maté. Donc, je vais aller sur Slackware. Slackware, il y a GitHub qui contient tous les PKG, les Slack builds de Maté Desktop. Maté Slack builds. Donc, comme j'ai besoin de faire compiler le paquet Maté Applets, parce que si on lance un terminal pour lancer ne serait-ce que l'application de météo, qui permet, qui est un élément de l'applet, oula, sa gueule, de l'applet qui permet d'afficher l'heure, si on fait usr libexec maté weather applet, voilà, c'est une gueulante par rapport à l'absence de d'une bibliothèque partagée libicu 56. Donc on est à la version 60. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de cloner le GitHub du pack de Slack build pour pouvoir le recompiler. C'est un peu compliqué, mais vous verrez, une fois que ça sera mis en place, normalement ça devrait fonctionner. Vous pourrez constater qu'on est avec un Firefox 57. 0.2. Donc là, je vais cloner le GitHub. Je vais aussi en profiter pour franciser Firefox, tant que j'y suis. Comme ça, au moins, on n'aura pas tout perdu. Excusez pour les chiens qui gueulent, ça arrive. Ouh, il y en a un qui est pas content. Donc, on va prendre x86-64-fr, on va prendre par exemple, XPI, et on va installer directement le fr. Voilà, comme ça, vous verrez comment on installe le paquet français. Ok. Normalement, maintenant, si je vais dans les préférences que je voulais, c'est les extensions. Langage. Et si je redémarre, normalement, je l'ai en français. Firefox. Presque. Donc. Oui. Donc si je mets About Config, peut-être, j'accepte. Oui, il faut juste que je remplace ça par fr-fr. Et normalement, je dois avoir du français dans Firefox. Si l'informatique ne me fait pas de crasse. Ah, ça va mieux. On a notre ami Firefox en français. Voilà. Donc ça c'est fait. Si on veut l'utiliser par la suite, on l'aura toujours sur la lumine. Donc je fais cd msb core base et maté applets. Ils sont où? Maté panel. Peut-être dans extra. Ah, là. C'est des maté applets. Donc, je ne suis pas un pro de maté Slack build, donc je sens des personnes qui vont gueuler, mais tant pis. Hein. Je m'excuse pour les gens qui vont se lancer. Maté applets.slack build. Je vais le recompiler en route. Je sais, c'est pas bien. Voilà, donc comme ça pendant ce temps il va recompiler ça, ça sera rapidement recompilé normalement.
Et si tout se passe bien, on aura dans quelques instants l'horloge et les compagnies qui sont affichées. Donc, vous voyez, comme on a pas mal de trucs installés, on va après enlever les doublons. Donc, on peut les enlever maintenant. Bon, donc, ça compile. Donc, je vais aller en route et enlever tous les doublons liés à l'XFCE. Donc, je fais install non, package tool, pardon. Je fais remove. Et je cherche tout ce qui est lié à XFCE. Donc, là, on va tout en bas. Et on remonte, et normalement, il y a quelques paquets liés à XFCE qu'on peut virer sans aucun danger. Par exemple, ça. Comme je vous rappelle, il n'y a pas de gestion de dépendance dans Slackware. On est obligé de virer des paquets un par un. Même si on ne peut pas tout virer, au moins ça permet de nettoyer un peu tout ça. Il y a aussi WindowMaker, je crois me souvenir, qui était préinstallé. WMaker. Alors, on remonte. Toc, 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 toc. Voilà, alors WindowMaker, on n'en a pas besoin. J'ai vu aussi qu'il y avait Fluxbox. Bon, bien sûr, je n'enlèverai pas tout parce qu'il y a certains trucs qui vont rester de côté, mais déjà, ne serait-ce qu'enlever les doublons liés à XFCE, ça sera déjà pas si mal que ça. C'est dommage quand même que les images live soient un peu trop remplies d'outils XFCE alors qu'on n'a pas besoin dans une session matée. Ça, on n'en a pas besoin. FWM non plus. Fluxbox, je l'avais vu qui était installé. C'est pas grand-chose qui peut être enlevé, mais ça fait toujours un peu de place de gagner. Et aussi Blackbox, si mes souvenirs sont bons. Blackbox, ok. Thunard, voilà. Il y a aussi Thunard Follmann qu'il faudra virer pour justement enlever tout ce qui ne sert plus à rien. Alors, STU, Thunard, Thunard, Thunard. Il n'y aura pas grand-chose qui sera enlevé, mais au moins déjà ça permettra de faire une petite purge du système. Et pendant ça sera, on va profiter du multitâche qui est proposé par Linux et on va récupérer les paquets nécessaires à l'installation de LibreOffice. Histoire quand même d'avoir un environnement un peu complet. Donc il faut aller sur le site d'Alien Bob. Eric Hameler dit Alien Bob, qui propose les images ISO en question. Donc là, pile c'est ce que je voulais. Donc, je cherche LibreOffice. Voilà. Package 64 bits. Uncurrent. Donc, il me faut trois paquets. Le paquet de LibreOffice lui-même. Le dictionnaire et la traduction de la langue que je n'ai qui m'intéresse. Donc, comme je veux le français. Dictfr. Toujours le TXZ. Et la LTNFR en TXZ, ce qui me permet d'avoir les paquets nécessaires à l'installation de LibreOffice. C'est quand même dommage de devoir recompiler
les applets parce qu'elles ne sont pas compatibles avec la lib ICU proposée. Bon, ça permet de montrer comment fonctionne un peu l'ensemble aussi. Mais c'est qu'une version de développement. On peut supposer que d'ici la version stable de la Slackware, ce bug sera corrigé. Et comme il y a de fortes chances que ce soit en juin ou en juillet que sorte la Slackware 14.3 ou 15.0, Mate 1.20 sera sorti entre-temps. Du moins pour l'espérer. Normalement, déjà, il devrait y avoir un peu moins de doublons dans les menus. Ah oui, déjà, ça va un peu mieux. Donc, terminer l'accès au portail à disparaître. Je peux vous dire que ce bug de l'heure absente, je n'ai pas compris pourquoi. Et puis je dis, bon, ben, je vais lancer ça en faisant des tests. Oh, saleté! Faut que je recompile le paquet. Je dis quand même, je vais vous montrer qu'il faut le recompiler pour éviter que vous disiez, ah, il avait fait un truc, gna 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 gna. Je suis resté entièrement transparent. Ok, donc là, on fait exit. Normalement, ça devrait permettre de rajouter l'heure, si tout se passe bien. Croisons les doigts. Car mis à part ce gros bug, on est vraiment dans du très utilisable dès le départ. Et bien sûr, je vous prouve qu'on est bien sous un Mate 1.19. 1.19.1, la dernière version en date. Voilà, avec un noyau 4.9.67. Alors c'est vrai que ça mange 686 mégas, c'est un peu beaucoup, mais je pense qu'une fois la compilation terminée, la quantité de mémoire bouffée va diminuer de pas mal. En espérant que j'ai pas besoin de recompiler autre chose. Bon, c'est une version de développement, ça arrive des petits bugs de ce style. Si c'était sur une version finale, je serais un peu plus, dirons-nous, énervé. Et il y aurait de quoi l'être. Normalement, il n'y a plus à avoir enfin, XFCE. Non, il n'y a plus terminé avec XFCE. Très bien. GFTP, pourquoi pas, mais il commence à faire son âge. Un FileZilla aurait été peut-être plus conseillé. Bon, ben, on va pas s'en plaindre non plus, hein. Ouais, c'est vrai, c'est un peu long à compiler. Néanmoins, on est quasiment sûr et certain que tout refonctionnera. Enfin, croisons les doigts. Quoique pendant ce temps-là, on peut aller dans téléchargement. Voilà. Et on peut faire un sudo install pkg LibreOffice 5.4.3. D'accord, il faut passer en utilisateur classique, sale bête. Enfin, un utilisateur root normal. Donc, install pkg.
Elle a bientôt fini de recompiler les applettes. Très bien. C'est bon. Donc on fait install pkg tmp nat-applets. Normalement. Bon, lui on verra plus tard. Donc, normalement on va partir d'installer l'ensemble. Voilà. Donc je vais voir. Ah, peut-être que si je rajoute une applette météo, ça fonctionnera mieux. Ah oui, apparemment ça fonctionne mieux. Bon, on va juste enlever ça du tableau de bord. On va rajouter l'horloge. Et normalement, ça devrait fonctionner. Normalement. Horloge, 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 petite. T'es là, ma vieille. Alors, voyons. Permets ce terminal. Alors, est-ce que cette fois-ci, l'horloge va bien vouloir fonctionner? Donc, je ferme la session. En espérant que l'horloge veuille bien se lancer. Et d'accord, il m'a fait un gros bug. Et l'horloge ne veut toujours pas se lancer. Mais c'est pas possible! Bah, on va redémarrer l'ensemble. Allez, à du direct. Ça t'y va. Lord Murphy. Quand ça ne doit pas arriver, ça arrive. Ça te va. C'est pas grave, au moins ça montre que je ne coupe aucune vidéo. Donc, est-ce que cette fois-ci, est-ce qu'il avait voulu me charger l'horloge? Bon, je repasse en plein écran. Apparence, alors, affichage, je pense qu'il m'a foutu un affichage un brin grand, oh oui, un brin trop grand, ben non, il n'a toujours pas affiché, pourquoi donc, bon, est-ce qu'il y aurait un autre bug, ou est-ce qu'il faudrait recompiler tout maté par rapport au changement d'ICU? J'espère que ce n'est pas le cas.
c'est Maté Clock qui existe. Non, Date non plus. Alors, je vais essayer à nouveau de l'ajouter, l'horloge. Bon, mais apparemment. Maté Control Center, peut-être, je vais voir si le centre de contrôle se lance. Oui, mais c'est quand même étrange que je ne vais pas avoir la date. Bon, mais il y a un bug quelque part, mais je ne sais pas dans quel. Dans quel outil ça peut bien être? Là, je suis en train de rechercher, désolé. Hein. Ouais, bon, ben, je vois pas quel outil. Qui permet d'afficher ça. Bon. Ben tant pis. Hein. C'est dommage pour la plaite de bureau. Je pensais que l'horloge allait être corrigée par ce bug. Mais non, apparemment il y a un autre bug qui doit faire planter tout ça. À moins qu'il faille recompiler le panel, mais là. Recompiler le panel, ça me gonfle un peu. C'est pas grave, c'est dommage pour l'heure par contre, mais tant pis quoi, ça sera un bug de la version de développement. C'est le seul bug que j'ai eu pour le moment, enfin, seul bug vraiment ennuyeux que j'ai eu. Ce sera sûrement corrigé d'ici la version finale. Donc les polices, je vais me remettre en 10. Voilà. Donc, je voulais installer LibreOffice tout à l'heure avant de redémarrer. Donc, on va pas s'ennuyer. Là-dessus. Install PKG. All.txz. Voilà, ça va installer tout ça. C'est quand même bizarre pour cette horloge. Je vois quand même. Comme je suis têtu. Alors, Maté Applets. Maté Panel plutôt. Pendant que ça installe, je suis quand même têtu. Quitte à faire une coupure et vous dire que je suis arrivé à le recompiler. Parce que quand même, ce serait bête de rester sur un échec. Bingo, c'est le Maté Panel qui doit planter. Bon, on va recompiler le Maté Panel. C'était pas le. Non, le Maté Panel est un peu plus court à recompiler. J'ai des matés tirés panel. Parce que je suis têtu et je n'ai pas envie de rester sur. Je sais que ça va encore gueuler dans les chaumières slackwareistes. Peut-être que cette fois-ci, le maté clock va fonctionner. Pendant qu'il installe le. Et comme d'habitude, bien sûr, je comptais faire une vidéo courte et ça rallonge. Merci les bugs. Mais si j'arrive à corriger celui-là, je serai content. Voilà, donc je vous prouve bien qu'on a LibreOffice en français.
Alors, bureautique. LibreOffice. Voilà, nous avons notre ami LibreOffice en français. Version 5.4, si mes souvenirs sont bons. Donc on a quand même du récent. Voilà, version 5.4. De mémoire, la base des panels n'est pas super long à faire recompiler, donc je tente ça quand même parce que je suis têtu et que je veux avoir un ensemble fonctionnel. Merci, Liliba, see you. Ça m'a pris. Pardon. Je nettoyais ma bouche et le cou est parti tout seul. Après tout, c'est une version de développement, mais c'est quand même ennuyeux quand ça arrive. Dormir avance, oui. Et peut-être qu'en me déconnectant, en reconnectant, cette fois-ci, ce sera la bonne. La bonne. Avec un peu de malchance. En espérant que je n'ai pas besoin de faire recompiler la lune Matthew Weather, parce que là, c'est même pas la peine d'y penser. Non, merci. Parce que la lune Matthew Weather est une mouise monstrueuse à faire recompiler. Tellement qu'il est long. Mis à part ce bug de l'horloge, l'ensemble est quand même assez utilisable. Surtout pour une Slackware de développement. Voilà, il génère les traductions. Et normalement, dans 2 minutes, il a terminé. Ouais, joie!
C'est vrai que si j'avais utilisé XFCE, la vidéo était terminée depuis plus longtemps, mais comme j'aime mater, ben la vidéo est un peu plus longue que prévu. C'est à cause de ce con de bug. Donc, on va faire install pkg, tmp, maté, panel. Donc, on va se déconnecter et se reconnecter. Mais normalement, vu le nombre de tentatives que j'ai faites pour avoir l'horloge, ça sera bien gavé. Oh oui, il y a pas mal d'horloges. Donc là, on va carrément redémarrer. Parce que là, vu le nombre d'horloges que j'ai voulu mettre, oui, c'est normal que ça soit un peu serré. Voilà, on arrive enfin à avoir un environnement maté fonctionnel. Putain de recompilation qui n'a pas été faite. Que comme je me répète, mais si ça avait été sur la version finale, là il y aurait de quoi avoir une églande. Là il y aurait de quoi gueuler. Mais comme c'est une version de développement, on va se calmer. Voilà. Et là, je vais repasser en plein écran. Donc normalement, il va y avoir une demi-douzaine de faciles d'horloges qui devraient m'attendre au tournant, au lieu d'une seule. Ennuyeux. Voilà. Donc une seule me suffit, merci. Ça va mieux d'un coup. Par contre, il y a un petit bug avec les polices à l'affichage. Là, ça m'énerve. Donc, interface, police. Voilà. Bon, mis à part les bon, on va essayer les grosses icônes ici, mais on a enfin cette bip d'heure. Tout ça parce que le paquet maté panel n'avait pas été recompilé en prenant en compte. Recharger. Apparemment, la météo fonctionne mal avec cet endroit-là. Mais sinon, c'est du fonctionnel, mis à part cet enfoiré de bug. Donc, on va tester rapidement les trucs habituels de test, savoir le support de l'imprimante, le support du MP3, pour voir tout ce que ça donne. Donc, USB. Voilà. On va aller sur notre ami Atarmusic. Et bien sûr, maintenant, cet enfoiré me fait le bug habituel du plein écran. Il m'aura tout fait. Rien ne m'aura été épargné dans cette vidéo, côté bug. Je ne veux pas du. Ah, maintenant il me fout une résolution. Ah, ça, c'est justement le circuit XF86 VBox qui fout sa mouise. Non, je ne veux pas du 2560. Du 1366, ça me conviendra mieux. Merci. Comment ça reste? Donc je vais prendre n'importe lequel, on s'en fout. Ben, celui-là. Donc là aussi, je vais mettre le son maximum. Tac. Tac.
fréquence du son. Défaut. Alors, on va maintenant si j'ai le son qui fonctionne. Déjà, le son fonctionne. Donc, on n'a plus qu'à espérer que notre ami Audacious lira les fichiers MP3. Voilà, donc là. Alors, Audacious, son vidéo. Et zut, voilà. Bon, déjà, on a la preuve que ça fonctionne. On va voir si l'imprimante est reconnue. Pas pourquoi d'ailleurs les ce problème de l'affichage est ainsi fait là, ce problème d'affichage de police. Donc apparemment il me détecte les imprimantes. Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils veulent bien me la prendre en compte. Voilà, donc add printer. Il faut bien sûr le mot de passe route. Voilà, quelques secondes normalement. Voilà, donc ça fonctionne pour les imprimantes. Donc le léger bug des poses d'écran trop grosses, le bug lié à l'heure qui m'a fait perdre un temps infini. Bon, il y a aussi le problème, c'est que l'installation est un peu surchargée avec des outils XFCE qui ne servent à rien. Mais sinon, pour le reste, on a un bon aperçu de ce que sera la future Slackware. Tiens, les Bofix Extension Manager, je ne sais même pas qu'il existait. Alors, on a pas mal de petits outils. XPDF, je ne sais pas s'il fonctionne bien. Ouais. Mais il ne sert pas grand chose avec Events. Artrid, pardon. Donc là, on a un ensemble sympa, quoi. Il y a un player, il y a. Je suppose que c'est avec l'interface graphique. Ouais. Ce bon vieux MPlayer, qui est dépassé maintenant par MPV. Donc on a quand même de quoi voir. Venir avec, et surtout, on a l'indispensable Emacs. Voilà! Que serait une distribution Linux sans Emacs? Voilà, donc je vais éteindre et passer à la conclusion pour de bon! Ouais! Donc, pour conclure, dommage qu'il y ait eu ce putain de bug lié à une récupération non faite de ma thé. C'est con quand ça arrive, parce que ça m'a bien fait perdre 15 minutes dans la vidéo. L'ensemble est agréable, il y a des petits bugs style redimensionnement trop grand, mais c'est pas mortel quoi. Le plus chiant, c'est l'heure qui ne fonctionne pas. Ça, c'est chiant et ça peut foutre les glandes. C'est une version de développement, donc on a un peu les glandes, mais pas trop. Le gros point noir pour moi, c'est encore la présence de Lilo. Lilo est vraiment vieux maintenant et limite abandonné. Donc peut-être que ce sera Grub qui prendra le relais. Désolé pour la longueur de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !